Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo. Et là, je vais vous dire le secret principal pour la musculation. Et oui, vous ne rêvez pas, mon secret principal, le meilleur conseil pour la musculation. Donc c'est assez simple, en plus, c'est assez simple. Meilleur des conseils de musculation, c'est ne vous prenez pas le cerveau. La meilleure chose pour la musculation, pour évoluer en musculation, c'est tout simple, c'est de s'entraîner, de bien manger. C'est tout. C'est tout simple et la régularité, si vous faites 3, 4 entraînements, quoi que vous ayez décidé, l'important, c'est de faire. C'est pas de calculer, de réfléchir. J'ai vu qu'un ami qui m'a dit, ouais, je veux me mettre à la musculation dans 6 mois pour l'été. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant, c'est, voilà, tu vas faire une séance, d'ailleurs là, il est quelle heure, là, il faut que j'aille faire une séance, et il faut faire une bonne exécution des mouvements pour ne pas se blesser, et bien manger, mais vous commencez la musculation, le principal secret, c'est faites, si vous devez faire des pompes, ben faites des pompes, si vous devez faire du poids du corps, ben faites du poids du corps, c'est mieux que rien faire. On peut prendre deux individus, un qui va faire des pompes, quelques tractions, quelques curls, et l'autre, son frère jumeau qui ne fera rien et qui mangera mal, ben, en 3 mois, 6 mois, 1 an, vous verrez la différence entre les deux. Donc, même le poids du corps, ça marche. Même si vous n'avez pas de matériel, même si vous ne calculez pas encore votre diète, faites-le. Parce qu'au début, vous allez prendre de toute manière, si vous faites de l'exercice et si vous mangez un peu plus que vos besoins, que votre appétit, vous prendrez d'un coup un peu plus. Donc, l'important, ce que j'ai appris, c'est de faire. C'est pas de réfléchir à tel est le meilleur programme, à chercher la racine carrée de pi. Ça, vous chercherez la racine carrée de pi quand vous serez avancé, quand vous aurez plusieurs années de musculation et qu'il sera plus difficile pour vous d'évoluer. Mais le principal aujourd'hui, le principal secret, ce que j'ai appris moi, parce que j'ai dû arrêter la musculation pendant des mois, et pendant des mois où je travaillais trop, je ne pouvais pas m'entraîner beaucoup, c'était un ou deux entraînements par semaine, le reste du temps j'étais crevé, ou j'avais plein d'autres choses à faire. Donc, ce que j'ai compris moi, c'est pas de chercher la racine carrée de pi, de chercher le programme idéal, miracle, l'important, pratiquer. Pratiquer. Faites, si vous n'avez pas de matériel, faites des pompes, des tractions, des curls avec des sacs à dos remplis de bouteilles. Si vous avez des haltères, faites des haltères, des rowings. Faites et mangez bien. Et pendant ce temps-là, vous pourrez apprendre à comment avoir une meilleure alimentation optimale pour tel ou tel objectif. Voilà, c'était mon secret de la musculation. Même si je suis pas un monstre, j'ai évolué. Vous pouvez regarder dans ma vidéo Before After, même si j'ai un peu perdu là pendant mon arrêt, mais c'est ce que j'ai compris pendant mon arrêt. J'ai repris, j'ai tout de suite repris un peu de congestion, un peu de pec, un peu de biceps, hein, un peu de triceps. L'important, c'est de faire. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos sur le fitness. Où on va rentrer plus dans les détails. Allez, tchuss.